Parlant des idoles, le psalmisme du psaume 115, verset 7, déclare « Elles ont leurs mains et ne palpent pas. Elles ne servent pas ses mains. L'idole ne vaut rien. » Pardonnez-moi de parler ainsi. L'idole est une chose répugnante devant Dieu, parce que non seulement vous cessez de parler avec lui et allez parler avec une chose comme cette chose-ci, elle n'a rien, c'est vide. Non, mais cette chose, si on la casse, elle n'a pas de tripes, n'a pas de rate, n'a pas de cœur, n'a rien du tout. Elle a des mains, mais elle ne palpe pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Comment est-ce qu'ils vont marcher pour vous aider ? Aucun murmure ne sort de leur gosier, de sa bouche ne sort rien. Ils sont vides, le psalmiste m'a dit, elles ont des mains, ne palpent pas. Elles ont des pieds, ne marchent pas. Aucun murmure ne sort de leur gosier. Mais du vôtre doit sortir le son, envers Dieu disant, pardonne-moi pour les temps où j'ai adoré une idole, où j'ai demandé leur aide. Et Dieu pardonne. Voyez cette personne qui s'est corrigée envers Dieu et a été bénie. C'était quoi votre problème ? Arthrose, arthrite, et ce genou ne pliait pas. Il ne pliait pas ? Non, et une douleur ici, j'ai fait un examen et ça n'a rien donné. À présent, pliez le genou car je veux voir cela. Et cette canne, depuis combien de temps avec elle ? Je crois que ça fait plus d'un an. Plus d'un an ? Oui. Comment vous marchez avec elle ? Montrez-le-nous ici. Faites pareil. C'est comme ça que vous êtes venue ? Oui. Eh bien, mettez-la sur l'épaule. Fille de Dieu, rentrez chez vous. Hé, hey, Jésus ! À présent, je veux vous bénir. Père, je donne la bénédiction pour cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth, et vous dites merci beaucoup. Dieu vous bénisse.